Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nini. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Nora. On va faire une petite vidéo dégustation. Donc j'ai reçu ce matin une petite boîte surprise, à vous de deviner qu'est-ce que c'est. Une petite box. Donc en fait je l'ai acheté, on s'est abonné avec avec les filles sur le site Candysan. Donc en fait c'est des produits, des petits bonbons en fait qui nous viennent, enfin des bonbons, des gourmandises qui nous viennent du Japon. Donc voilà, donc moi c'est la première fois que je teste en fait c'est des produits comme ça du Japon avec cette box. Donc je vous invite en fait à aller voir sur le site de Candysan. Je sais que le directeur en fait de ce site là a aussi une chaîne YouTube, donc je vous mettrai aussi en barre d'infos aussi la chaîne YouTube de Tev, parce que voilà, il a une chaîne, c'est ici Japon, si ma mémoire est bonne. Donc, et que je regarde beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup, je suis abonnée à sa chaîne, donc je me suis dit, bah voilà, c'est parti, on va tester tout ça. T'es prête, Manana? Oui. Oui. Donc, on ouvre. Donc, celle-là, c'est celle de mai que j'ai. Ça se présente comme ceci. Avec aussi le petit flyer, c'est bien en fait, ça fait comme les petites chaînes YouTube. J'aime bien, je te l'arrache des mains. Voilà. Et derrière, il y a marqué beaucoup de bonheur avec Candysan. Box, bien entendu. Avec un petit flash code ici. Hop. Donc, qu'est-ce que je fais, Nora? C'est toi qui pioches? Alors, on va piocher au hasard. Regarde pas. Hop, je referme. Ah, on commence par du salé. Alors, on sort de table en plus. Donc, montre un petit peu. C'est des Akiyashi Arabe Arare. Alors, désolé pour la prononciation. On dirait du poulpe. On dirait des petites chips de poulpe. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas du tout lire les kanji. Donc, je ne saurais pas vous dire. Samir, lui, il fait des cours de japonais. Donc, il sait mieux. Ah, ça sent, ouais, le... On dirait des churros. Attends, ça fait focus sur toi. Je vous montre un peu. T'as goûté? J'ai peur. Moi, j'adore. Moi, j'aime beaucoup. Ça me rappelle un peu... Ma mère en fait au frère Tang, elle achète en fait des petites chips aux crevettes et c'est un peu le même goût. Moi j'aime beaucoup. Je laisse de côté. Comme ça je serai goûtée à mon mari. Je suis très blanche à côté de toi. Non c'est bon hein. Moi j'aime beaucoup. Allez, c'est à moi de piocher, c'est toujours à toi. Allez, c'est toi qui pioche. Oh bah c'est de la barbe à papa. Vu à... Mais attends, vous montrez. Donc du coup c'est Candy, Coton Candy. Donc ouais, c'est de la barbe à papa, ça se présente comme ça. J'ai les barbes à papa. Donc vu la couleur, je pense que c'est raisin. Mûr. Non, raisin, parce que je sais que des vidéos que je suis de thème, souvent en fait quand c'est violet, c'est raisin. Oui, mais souvent, pas tout le temps. Ça m'intrigue ça. Mais c'est bon, au fur et à mesure ma chérie. Donc ouais, bon c'est de la barbe. C'est de la barbe. J'ai mangé toute seule. Non, tu manges correctement s'il te plaît. Oh, on sent bien le goût. Descends à ta soeur aussi. On a tout mangé. Ah ça je vais le dire, on sent bien le goût de raisin. C'est subtil et tout, même si on n'aime pas le jus de raisin, c'est subtil, c'est pas mal. Il y a plein de trucs. Alors attends. Ça a pas l'air bon. Noshika. On dirait du poulpe séché. Alors je sais pas si vous connaissez un peu la viande séchée. Moi je suis pas une grande femme. J'aime pas le poulpe de base. Mais là on dirait ouais, du poulpe séché, voilà, c'est tout plat comme ça. J'aime pas le poulpe. On prend les ciseaux. C'est le but de la vidéo, ma caillon. Ça, on dirait la moutarde. Ah, ça m'a. On dirait les chips. Ça m'a impressionné. Donc, ouais, ça se présente comme ça. Ça a l'air dégueulasse. On dit pas dégueulasse. Ça a l'air dégoûtant.
J'ai pas envie de goûter. Je sais que tu vas pas aimer. C'est un peu pimenté. Mourir. Mais ouais, ça je... C'est pas... J'avoue, je pense peut-être un l'un de mes frères qui lui aime la viande séchée et tout ça, peut-être qu'il pourrait aimer, donc je vais lui offrir. Là, tonton Gabi. J'ai vu Kirby, j'ai tout de suite pris. Alors, ah, ça doit être des amas. Montre. Elle va ouvrir à chaque fois. Là, c'est... Oh, j'ai les doigts qui sont... Le poulpe, ça me perturbe. Mais attends, donc... Mais attends, laisse-moi un peu lire. Donc oui, c'est un petit peu dur. On dirait des petits bonbons un peu durs. C'est de la Mac Kirby. Nintendo. Donc on a... On dirait en fait que... Ah! Donc chaque couleur a un goût différent et quand on mixe en fait deux couleurs ou trois couleurs, en fait ça nous fait en fait des petits cocktails. Je monte l'arrière. Hop. Ça me fait mal. Voilà, comme ça c'est bien. Et en fait ça vous fait des petits cocktails. On va tester ça. Donc toi tu veux tester un cocktail en particulier? Tu coupes ici, je pense. Oui, merci. Oh, attends, non. Il y a une ouverture. Ouvrir, je sais même pas ouvrir. Attends, d'abord je vais regarder ça. On va pas passer deux heures. Alors, la box, je vous donnerai en fait à la fin en fait le prix de la box en elle-même. Moi j'ai pris l'abonnement et il y a plein quand même, pas mal de produits dedans. Je vais en prendre trois. Écoutez. Ah, donc attends, montre les petits bonbons. Donc voilà, ça fait des petits bonbons comme ça. Moi je vais faire un cocktail. Ça a l'air très bon. Moi j'ai pris les premières couleurs qui venaient. Du coup, ouais, hop, je vous montre, ça fait des petits bonbons. Bravo! Bravo! On peut t'applaudir, Moi je vais prendre. Celui-là, on dirait que c'est pour quoi? Je vais prendre ce cocktail-là. Moi j'en ai pris trois. Je vais prendre ce cocktail-là. Ah mais c'est le chewing-gum. C'est du chewing-gum. On va recracher. On va manger le reste. Oh bah zut. Bah ça c'est pas mal, ça allait dans ma voiture. Ouais. Il y en aura, je vais préparer une boîte et je vais en mettre un. Non, je vais les cacher dans ma voiture. En dessous de mon lit. Non, c'est ballot par contre. Pioche. Mais fais ton truc là, plus tard ça t'intrigue. Donc là du coup, c'est un petit sachet en fait, voilà, c'est des petits bonbons, tout colorés comme ceci. Après je sais pas pourquoi j'essaye de lire, je comprends pas. Attends, est-ce que papa il m'a dit que... Oh non. Bah, tu connais les kanji, toi. Ah, c'est papa, il m'a dit. Papa, il m'a dit. Attends. Un seul, ça suffit. Ouais, c'est bon, ça se mange bien, ça. Chante. Bon, on fait celui-là. C'est bon, j'ai. Celui-là était bon. Framboise. Fraise de framboise. Donc là, on a un paquet de chips. Ninja. C'est des Toako. Ninja Fuyamaru. Maru. Maru. Ouais, je vous montre un peu comment c'est. Donc je pense que peut-être il y en a des différents, peut-être.
J'ai aucune indication de ce que ça peut être comme goût. À voir. Oh. À sentir déjà. Oui, à sentir. C'est ça. Bah, pas d'odeur. Non, elle a l'air débitée. Trop bon. Des petits calamars. Des popcorn. Non. La texture en fait elle est croustillante mais molle en même temps. Mais elle est en train de tout taper. Hein. Mais ça se mange bien. Je vais tout manger ça. Oui bah stop. C'est pas mauvais j'aime bien. C'est pas trop salé. Nora et Monde sans expliquer. Topo. Topo. Donc c'est au lait, c'est avec. En fait, c'est comme les Poki. C'est dans le même style que les Poki. Donc c'est une marque japonaise, pareil là-bas. Sauf que là, en fait, c'est des petits. Comme les Mikado. Sauf qu'en fait, c'est fourré à l'intérieur de fraises. Au lieu que ça soit dessus, c'est dedans. Oh, c'est bien. Donc c'est des petits paquets individuels comme ceci. Chou. Ça sent bien le lait. Je commence à goûter. Et en fait, regardez, c'est tout fourré à l'intérieur. Non, t'aimes pas? Mais on remet pas dedans, crasseuse. J'aime pas. On sent bien le goût de fraise, je trouve. Ça fait pas fraise chimique, ça fait vraiment goût de fraise. Non, c'est le carton, ça que tu prends. Oh. Des petits pandas. Oh, ça me fait penser à Mélanie. Des petits pandas. Donc, c'est des petits biscuits, je crois. Oui, voilà, c'est des petits biscuits pandas. Donc, il y a 6 petits biscuits individuels. Bah, je la vois ce soir, je n'en donne rien ce soir. Non? Non, elle a l'air... Bon, je pense que tu lui en donnes un. Tout dépend. Si c'est dégueu, tu lui en donnes un. Si c'est pas bon... Enfin, si c'est. Oh, c'est. Ah, donc. Petit sachet individuel. Et en fait, vous avez le petit panda. Comme ceci ici. Et de l'autre côté, vous avez la partie. Pardon, chocolat. Donc, vous avez le biscuit et le chocolat dessus. Oh, ça, c'est bon. Pas les donner. Non, mais on aurait pu en prendre qu'un. Hein. Pas grave. C'est bon, ouais, mais c'est pas. Par contre, le chocolat, on le sent bien. On sent bien le goût du cacao. Non, elle a l'air pressée. Mais attends. Non, Ça a été, ça a l'air bizarre. On dirait des petits melon pan. Donc lui, c'est un petit personnage. Je l'ai déjà vu plusieurs fois dans les trucs de bonbons ou de manga ou quoi. Enfin, je crois, hein, je suis pas très douée dessus, mais j'ai déjà vu plusieurs fois. Et en fait, on a ces goûts melon pan, je crois. Ça va être des petits biscuits à ce goût-là. J'ai jamais goûté le melon pan. Ça m'intrigue. Mais elle me l'arrache des mains. La fille, elle est pressée. Tu fais moite-moite, Nora. Il y en a que deux. Il y en a que trois dedans. Non mais tu croques. Oh la minuche. Donc hop, c'était des biscuits tout ronds et ils sont fourrés dedans. Sympa. C'est un goût de melon. Melon, pastèque, un truc comme ça. Très bien. Pourquoi tu regardes ? Parce que c'est déjà tout, mais c'est... On continue, chou. Sitori Ichigo. C'est des paris, des petits biscuits à la fraise. Voilà. Oh, ça sent bien...
Il est en forme de cœur. Oh, il est en forme de cœur. Non, mais non, c'est un rond. Le mien, il est en forme de cœur. C'est trop choubidou. Donc voilà, ça fait un peu soufflé, biscuit soufflé. Ouais. C'est un petit biscuit soufflé, puis il y a un léger enrobage au-dessus en fait de fraises. Ouais, Nora, elle a pas l'air. Nora, elle est pas emballée du tout là. Ciseaux. Ciseaux, s'il te plaît. Non. Ah non. Montre à... Attends, je montre l'emballage avant. Donc, qu'est-ce que c'est là? C'est des chewing-gums encore? Attends, on le laisse plutôt à la fin celui-là parce que j'ai l'impression que c'est les chewing-gums. Allez, on va faire celui-là. Oh non, ça a l'air de piquer. Boum. Donc, il y a non, un petit vais, monsieur je qui... Je vais à la fin, ça a l'air de piquer. À la fin? Oh, embêtant celui-là. Ah, celui-là. Ça, c'est un gâchapon. Ah, je veux. Tu montres le gâchapon? Donc, en attendant... Gâchapon. Gâchapon, non. Donc voilà, en fait, il y a toujours un petit goodies en fait à l'intérieur, un petit jouet. Et tu peux se goûter. Donc voilà, fais voir, je peux regarder. On prend le temps de regarder. Oh, c'est un samouraï. Samouraï. C'est pas mal ça. Tu vas le mettre dans ta chambre. C'est des. Et donc, on continue. On fera les deux, ces deux-là en dernier. Donc, on a pareil, des petits bonbons. Ah, c'est pour faire comme des sushis. Donc, vous pouvez assembler en fait, vous assemblez le bas avec le haut et vous faites vos petits sushis. C'est rigolo. Donc je vous montre un peu l'arrière aussi qui est trop mignon. Franchement les emballages je trouve que c'est vraiment très chou. Oh. Oh c'est trop mignon. C'est l'heure du médicament. Alors, hop, tu fais lequel toi? Celui-là. Mais en fait, tu fais les deux. T'as pas vu le dessin? Donc en fait, tu prends. On fait. Alors c'est tout gélifié. Hop. Tiens, tu prends celui-ci, moins celui-ci. Et toi tu prends le rose? Non. Le jaune? Ah j'ai envie de mettre les deux. Non t'en fais un d'abord. Et après tu prends ça et tu mets dessus. Et tu montres voilà la caméra. Ce que ça donne. C'est pas l'air... Non ouais. Je l'entends à côté. Mmh. Donc voilà. J'espère que ça se mange comme ça. Mais d'après la photo, ouais, c'est comme ça. J'aime pas. Vous avez pêche, citron, banane. J'aime pas. On dirait que le truc d'en bas, en fait, c'est banane. Et en haut, c'est citron ou pêche. Donc en fait, c'est banane. Citron ou banane pêche. Ouais. C'est des bonbons gélifiés. Hein. C'est sûr que ça en dirait. Un bon, tu veux faire celui-ci? On va faire celui-ci. Moi, j'ai l'impression que c'est des chewing-gums. Voilà. Mais Nora veut à tout prix faire celui-là en dernier. Donc. Hop. Donc, pareil, c'est à la fraise. C'est spécial fraise aujourd'hui. Ouais. Ça se présente comme ceci en petit dragé. Si le focus se fait pas sur la tête à Nora, ça a l'air de chewing-gum, mais je sais pas si c'est chewing-gum. Il y a une espèce de couche au-dessus, un tout petit peu dur. C'est acidulé à l'intérieur quand on croque. C'est pas mauvais. La texture est particulière, elle est dure à mâcher. Oh putain, oh, un peu plus. Mais j'aime beaucoup. On va choisir de se reposer. J'aime beaucoup le goût par contre. Moi ça je crois que ça va être moins. Ça va être pour moi ça.
dans mon sac à main. Et ça rafraîchit bien la bouche, je crois. Sûrement. Bon, vas-y, là, tu vas le casser. Alors, pour terminer, on a ceci. Boum. Voilà. Ouais, c'est très dur. Donc, d'après le dessin, en fait, c'est un truc qui doit pétiller. Sur un monsieur là qui. Wow. Voilà. Tu veux essayer de traduire quoi? Ça va me faire rire. Oh. Attends. Je t'en première. Trop bon. Ça a le goût de calmar aussi. Mange pas tout, laisse-en pour ta soeur et ton père. Non, sérieux, laisse-en pour ton père et ta soeur. Moi j'aime bien ça. Genre en snack, un truc comme ça, je trouve ça pas mal. J'en ai pas terminé. Si, tu non. Montreras et puis tu me montreras après. Donc, pour vous dire combien il y avait de produits, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc voilà, il y avait 13 produits. Donc je trouve ça vraiment, vraiment ça. Je remets mon chewing-gum. Vraiment cool à tester. Je trouve que c'est plutôt sympa. Même si forcément on n'aime pas forcément les goûts, c'est sûr, culturellement parlant, c'est pas trop nos styles. Mais je trouve ça vraiment cool de pouvoir tester de temps en temps. Des petits produits qui viennent vraiment du Japon, ça change un peu de nos bonbons, nos petits snacks qu'on a nous à la maison. J'espère que cette petite vidéo en fait vous a plu. Ça change un petit peu des hauls et tout. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye. Bye. Je suis trop occupée pour dire bye. Ouais, on voit ça. Ah.